Tu as le goût d'admirer des panoramas inusités, des sites historiques et culturels? La carte du monde interactive de la plateforme web 360 Schools t'inspirera à coup sûr. Débute la création de ta visite virtuelle suite à la sélection de la photosphère d'un lieu qui te rappelle un souvenir, qui mérite d'être découvert, qui suscite diverses émotions, qui éveille même ta curiosité. N'hésite pas à activer la traduction de cette page web à l'aide de Google Traduction au besoin. Et amorce ta visite virtuelle poétique en inscrivant le titre de ta création, de même que l'intention de ta visite virtuelle. Il est possible d'agrémenter ta diapositive de couverture en effectuant une recherche à l'aide de mots-clés et en sélectionnant le panorama de ton choix parmi la banque proposée. Procède de la même manière et ajoute la première scène à laquelle tu peux intégrer différents éléments complémentaires qui captiveront ton destinataire et surtout qui assureront une meilleure interprétation de ton poème. Pour que ta photosphère gagne en interactivité, clique sur le bouton « Ajouter une étiquette ». Différents points d'ancrage peuvent être répartis sur ton image à 360 degrés. À cette étape, il est possible d'intégrer à une fenêtre de présentation la version textuelle de ton poème. Il est essentiel de désactiver la traduction avant d'écrire tes vers. Tu désires ajouter la narration de ta prochaine strophe? Rien de plus facile. Il suffit d'intégrer à la fenêtre un hyperlien menant à ton fichier sonore partagé préalablement à tous. Tu peux aussi en profiter pour piquer la curiosité de ton destinataire grâce à un lien qui lui fera découvrir des aspects géographiques, historiques et même sociologiques de ton lieu d'inspiration. En effet, ces informations additionnelles le familiariseront avec le lieu décrit, ce qui le sensibilisera davantage à tes propos. De même, l'ajout d'images libres de droit soutenant ton message constitue une autre façon d'enrichir ta visite virtuelle poétique. Que dirais-tu de te filmer en narrant une strophe de ton poème et intégrer ton fichier vidéo à ta visite? Si tu ne veux pas être reconnu, plusieurs outils numériques offrent la possibilité d'ajouter un filtre tout en ajoutant une touche de créativité. Tu en connais sûrement quelques-uns. Cette route fluviale, cœur de notre identité nationale, impose une trêve à mes pensées. Pour faciliter la compréhension de ton message, complète ta création en ajoutant un paragraphe descriptif ou même un questionnaire qui gardera ton destinataire en alerte. Tu as le goût d'aller plus loin? 360 Schools t'offre la possibilité d'ajouter plusieurs photos sphériques pour créer un parcours virtuel. Tu t'es investi et as fait preuve de créativité dans l'élaboration d'une visite virtuelle poétique dont tu peux être fier? Prends un moment pour la partager. Voilà, ta création nous incitera à lire la poésie autrement.